suis docteur Fodié Tandjigora, je suis ancien chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Je suis sociologue de formation, j'ai fait une thèse de doctorat à Paris 7. J'ai aussi fait quelques publications dans différents domaines, notamment sur l'immigration. J'ai publié un livre récemment sur l'immigration des diplômés maliens. J'ai aussi publié sur la diaspora intellectuelle malienne, paru chez Harmattan. Mais j'ai aussi publié sur l'insécurité, voilà, qui est disponible sur Internet. Ça s'appelle « L'insécurité au Mali, forme et manifestation », où j'essaie d'analyser un peu les différentes formes de menaces, notamment le terrorisme, les affrontements intercommunautaires, l'insécurité résiduelle. Parce que dans les analyses journalistiques, très généralement, ces trois formes sont un peu imbriquées et mélangées. Donc j'essaie un peu de retravailler ces aspects-là. J'ai aussi fait une publication sur les initiatives locales de sécurité, c'est-à-dire que les initiatives que les populations elles-mêmes prennent pour se sécuriser en l'absence de l'appareil d'État. Donc c'est des jeunes patrouilleurs, c'est des chasseurs, mais vraiment des formes de sécurité par le bas et qui profitent aux populations dans certaines mesures. Et je suis également membre d'associations de société civile au Mali ici. Et je suis apolitique, voilà, tout simplement. L'État moderne aujourd'hui est considéré comme les survivances de l'État colonial. D'ailleurs, le terme dans le langage local désigne, pour désigner l'État, on l'appelle pouvoir des Blancs. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il n'y a jamais eu cette appropriation des populations, des institutions d'État, puisque l'État lui-même a été importé, il est d'origine judéo-chrétienne. Dès ses débuts, la perception de l'impôt a été perçue comme un acte d'allégeance, les populations ne comprenaient pas. Parce qu'en place, les colons ont trouvé qu'il y avait des légitimités traditionnelles, multiséculaires qui existaient, mais qui ont été mises à plat, tout simplement. Et ces légitimités-là, c'est quoi? C'est les chefs des cantons, c'est les chefs des villages, c'est des chefs de pays. Quand je dis pays, c'est vraiment au sens sociologique, c'est des vastes territoires qui se reconnaissent sous l'autorité d'un chef hiérarchique. Maintenant, le pouvoir colonial a unifié tout le territoire et on a mis en place un pouvoir central. Et l'État moderne, effectivement, est issu des entrailles de cet État colonial. Donc, il y a forcément des sentiments de rejet de l'État de la part des populations, que ce soit les juges dans certaines localités, les agents des eaux et forêts, ou bien les hommes politiques sont considérés comme faisant partie d'autres formes de légitimité, mais peu de populations, en tout cas à l'intérieur, se reconnaissent à travers cette forme républicaine même de l'État qui pose un réel problème. C'est un problème d'approche de l'État lui-même, c'est-à-dire que rarement une politique est pensée par le bas, c'est-à-dire qu'on décrète une politique et les populations ne savent même pas ce que ça signifie. Par exemple, la décentralisation. Quand on a fait la décentralisation, on a coupé des localités, on les a racolées pour dire vous formez une commune. Alors que traditionnellement, il y avait déjà des légitimités et qui étaient reconnues par les populations. C'est-à-dire que les communes auraient dû être érigées sur la base des légitimités déjà préexistantes. Mais l'État a procédé à des découpages territoriaux et on a mis en place, selon les principes de l'État, des communes. Voilà. Donc il y avait des villages plus ou moins récents qui devaient gouverner des villages plus anciens qui les ont accueillis d'ailleurs. Donc de telles mesures qui sont prises par l'État sans l'approbation ou la contribution des populations locales contribuent à rejeter l'État. Quoi. Oui, parce que dans les sociétés précoloniales, le pouvoir n'était pas unifié, comme je l'avais dit. C'était en des territoires, c'était des aristocraties guerrières. Par exemple, si on prend le bassin du fleuve Sénégal, la région des Kayes, c'était une dynastie qui a régné là-bas, la dynastie des Batchili, par exemple, qui a régné là-bas. D'une partie, il y a la dynastie des Si. Mais lorsqu'on revient vers Ségou, bien, ce sont les Koulibaly ou bien les Djara. Lorsqu'on va beaucoup plus au nord, voilà, ce sont les Askia qui ont régné. Lorsqu'on va au sud, à Sikasso, ce sont les Berté et les Traoré qui ont régné. Donc, il n'y avait pas un pouvoir central qui a pu régner sur l'ensemble du territoire avant l'arrivée du pouvoir colonial.
Maintenant, ces légitimités au niveau local étaient issues des familles régnantes. C'était reconnu et les autres catégories sociales, et on leur confiait des tâches parce que la société était hiérarchisée en des nobles et en des hommes de caste et des roturiers. Donc tout à l'intérieur, il y avait une classification de la société en des classes. Il y avait des marabouts, il y avait des familles régnantes, il y avait des familles guerrières, il y avait des familles de griots. Donc c'était bien organisé. Il y avait des simples agriculteurs. Voilà. Et donc cela a pu marcher parce que tout simplement c'était normal dans leur tête et légitime. Alors quand un pouvoir colonial arrive et casse ces logiques, eh bien institue un autre pouvoir et des gens qui ont été à l'école, qui ne sont pas même pas issus de l'ancienne noblesse, qui sont peut-être des griots, mais qui ont été à l'école, qui sont après devenus des chefs d'arrondissement, des commandants, des instituteurs qui accueillent les enfants. Donc ça a vraiment inversé les valeurs sociales à tel point que les nobles refusaient que leurs enfants aillent à l'école parce que c'était signe d'allégeance. Amadou Ampateba en parle d'ailleurs dans ses livres. Oui, mon commandant, c'est un écrivain malien, il en parle, que cette inversion effectivement a été douloureuse et ça continue aujourd'hui parce que tout simplement les légitimités qui ont dominé pendant longtemps ont été écartées du pouvoir. Et donc maintenant il suffit juste d'être dans un parti politique. C'est le seul critère est d'être élu. C'est tout simplement être dans un parti politique, militer dans un parti politique, avoir des ressources. Donc la moralité, le sang, donc le rang social, la dignité, la moralité sont des aspects qui ne sont plus en ligne de compte. En tout cas pour ce qui concerne notre réalité ici au Mali, c'est tout simplement la réalité du parti politique au détriment des considérations légendaires et traditionnelles. La capacité aussi. Oui. Oui, la capacité, bien entendu. Et toutes ces qualifications sont mises à plat au profit de l'embrigadement des partis politiques. Voilà. Alors, par localité, il existe des ressorts de résolution des conflits. C'est-à-dire que prévention, gestion et résolution des conflits dans toutes les localités. C'est pourquoi, si vous voyez une communauté qui a pu exister, traverser des millénaires, c'est qu'ils ont prévu des mécanismes. Au Mali, l'un des premiers mécanismes, c'est la parenté à plaisanterie, qui permet de désamorcer à temps les tensions. Et les Français appellent ça parenté à plaisanterie. Bon, mais les Anglais l'appellent the joking relationship, c'est plus exact d'ailleurs. C'est des relations de plaisanterie en réalité, entre des clans ou des noms de famille ou des gens de différentes localités. Ensuite, il y a chez les Dogons ce qu'on appelle le Toguna. Le Toguna, c'est un hangar très court, d'environ 1 mètre, où on discutait des problèmes de lorsque deux clans ou deux personnes sont en conflit, on allait voir le Ogon, voilà, sous le hangar. Et la décision qui sort de là est acceptée par tout le monde. Parce que renier la décision, c'est renier sa propre légitimité. Les gens acceptaient toute décision qui sortait du Toguna. Et c'est un hangar très court qui maintient, voilà, qui oblige le respect parce que vous ne pouvez pas vous lever. Si vous êtes fâché, vous voulez vous lever, ça vous tape tout de suite, vous rasseyez. Et on n'entre pas avec des chaussures, c'est très respecté. Et donc finalement, ça pouvait désamorcer des crises. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle le vestibule central chez les Bamana à Ségou. C'est une sorte de pièce, soit à l'intérieur de la famille ou bien à l'entrée. Ça symbolise la communion, ça symbolise des réunions pour des cas d'urgence. Donc on discutait des problèmes sérieux. Et quand une décision sort du vestibule, c'est une décision qu'on ne peut pas violer, à moins de remettre en cause sa propre légitimité. Pourquoi c'était respecté? Parce que les gens tenaient à être légitimes. C'est extrêmement important. Hein? C'est-à-dire que ne pas être légitime, c'est pratiquement la mort chez les Africains, les Maliens que nous étions. Et si on vous dit que si vous faites ça, ça veut dire que vous n'êtes pas le fils de votre père. On faisait tout pour honorer la légitimité de soi-même. Donc c'est pourquoi ces décisions ont été respectées, parce qu'il y avait une croyance autour de ces institutions-là. Maintenant, pour les institutions modernes, il n'y a pas cette croyance. C'est même étranger à nous. Ça ne nous dit rien. Si j'ai dit le Haut Conseil social et économique, tu dis ça à un village, il ne sait pas ce que c'est. Mais quand le chef de village convoque les gens dans le vestibule, ça a un sens pour lui. Il sait ce que c'est et il obéit facilement à ça que lorsqu'on dit que bon, le président du Haut Conseil social va passer.
il ne sait pas ça correspond à quoi concrètement. Donc c'est les institutions qui surplombent les populations et ils ne se sont pas appropriés de ça. C'est tout le problème de la gouvernance en réalité. Donc il y avait des mécanismes prédéfinis qui aidaient à résoudre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence. Il y en avait, mais ces mécanismes ne sont pas utilisés, ne sont plus utilisés. Depuis l'avènement de l'État moderne, les chefs d'arrondissement, les commandants de cercle, les préfets les utilisent en cas de difficulté pour recourir et pour apaiser la tension. Mais il n'y a pas de recours systématique. C'est-à-dire que l'État utilise ses ressorts de façon presque systématique pour désamorcer ou bien l'instituer même au niveau des localités pour désamorcer des crises. Cela n'a jamais été fait. Oui, là où nous sommes, au stade de la crise où nous sommes, où on a essayé tous les dispositifs de guerre, les dispositifs internationaux, je pense qu'il est temps vraiment d'expérimenter. D'ailleurs, pour le centre du Mali, ce qui a contribué à faire baisser les armes dans certaines localités, ce ne sont pas les pouvoirs publics modernes, mais ce sont les légitimités traditionnelles. Je suis d'accord qu'il est temps que l'on demande aux chercheurs de fournir toute la panoplie de mécanismes qui existent maintenant, toute une cartographie, pour voir dans quelle mesure on peut faire profiter le processus de paix de ces mécanismes-là. Parce qu'aujourd'hui, les armes crépitent un peu partout au Mali. Et nous n'étions pas violents en réalité. Nous ne sommes pas habitués avec cette violence. Le Malien, par définition, il est quelqu'un de tolérant et nous ne sommes pas habitués avec des gens qu'on égorge, qu'on éventre. C'est vraiment une expérience douloureuse. Et tout simplement, je pense qu'il est important aujourd'hui de revoir toute la panoplie de mécanismes que nous avons ici, qui sont encore vivaces, pour en faire des instruments de résolution de premier plan. Hein? Je pense qu'il faut en faire même des instruments de premier plan auprès des populations qui sont sous tension, pour savoir si on peut maîtriser à temps ces tensions-là et non apporter des réponses tout le temps militaires et des réponses par les armes. Je pense qu'il est temps, effectivement. Oui, en fait, ces communautés ont toujours cohabité, quel que soit ce qu'on entend dire sur les radios. En fait, il n'y a pas de problème foncièrement Peul Bamana ou Peul Dogon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce problème n'est pas essentiel. Ce problème est instrumentalisé. Sinon, il a toujours existé des conflits mineurs entre agriculteurs et éleveurs pour la traversée du bétail, parce que la zone de Mopti cohabite à la fois les Dogons, les Bamana et les Peuls. Les Peuls étant les éleveurs la plupart du temps, il y avait la transhumance, donc c'était réglementé. Il y avait des petits conflits liés à la traversée des bœufs, liés à l'hivernage, etc. Ça a toujours existé, mais ça a toujours été résolu comme conflit. Les villages et où se trouvent des chefs de village, dans tous les villages où il y a des chefs de village, on trouve des moyens de résoudre ces conflits-là. Maintenant, on a pris des armes, ça a pris une autre forme, une autre proportion. Des milices organisées et des milices ethniques, ça, c'est une première, on n'en a jamais vu. Et je pense que ça va au-delà de conflits classiques qu'on a. Je pense que c'est instrumentalisé parce qu'on a dû lire dans certaines presses qu'il y a des élites politiques originaires de certaines localités qui contribuent, n'est-ce pas, même à l'armement ou même à la formation des milices. Donc c'est, derrière, il y a d'autres considérations politiques ou économiques. Donc ça va au-delà des simples légitimités. Donc il n'y a pas de problème interne ou de problème essentiel entre deux ethnies, mais il y a des problèmes qui sont instrumentalisés et tirés sur ficelle à distance, soit par des élites politiques ou tout simplement par des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le conflit termine. Et l'une des craintes que moi j'ai aujourd'hui, c'est que ce conflit ne se transmette à d'autres générations. Comme on l'a vu sous d'autres cieux en Israël et un peu partout. Donc ils ont assassiné mon père, mon arrière-grand-père. Donc je prends les armes, voilà. Et on a vraiment ce réel risque aujourd'hui que ce soit un conflit intergénérationnel. Et ce qui peut mettre fin à ça et couper court, c'est aller rapidement vers la résolution de l'intérieur de ces conflits-là et non par la seule réponse à travers les armes et les exactions. C'est ce qu'on a dû voir dans beaucoup de cas où on a procédé à des exactions
il faut le dire, on a lu des rapports où on pense qu'il y a eu des exactions quelque part, mais il urge aujourd'hui de tout faire pour que le conflit ne soit pas transmis à des futures générations, parce que c'est la garantie que ce soit perpétué. Et ça, on ne le souhaite pas. Les Peuls sont très généralement les cousins de beaucoup d'ethnies au Mali, y compris les Soninké, les Bambara. Ils sont considérés comme des pingres, ça on le dit, mais c'est vraiment ironique. Et ils sont très modestes, quelle que soit la richesse de leur bétail. Ils préfèrent avoir leur bétail que de vendre et posséder des fortunes. Ce sont des clichés sur les Peuls, mais c'est un peu amical. Mais dire qu'il y a une animosité réelle des populations, des autres populations, des autres ethnies vis-à-vis des Peuls, je ne suis pas sûr qu'il y ait une animosité particulière. Ce conflit a effectivement contribué à dégrader l'image des Peuls et l'image des Dogons. Sinon, les Peuls sont considérés traditionnellement comme des gens modestes qui vivent avec leur bétail et qui sont capables de se contenter de peu. C'est vraiment cette image qu'on a des Peuls, à tel point qu'ils ne peuvent même pas se soigner. Quand bien même ils ont de l'argent, ils veulent rester modestes. C'est cette image que nous tous, on a des Peuls, depuis la petite enfance jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas violents. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux dans l'armée. C'est une des statistiques que vous pouvez vérifier. Entre-temps, il y a eu la Dina de Sekou Amadou dans le delta Amorti. Ça a fonctionné du vivant de tous ces grands rois, en réalité. Et toutes les crises qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas chercher la source jusque dans nos arrière-grands-parents où il y avait le temps des royaumes. Au temps des royaumes, il y avait peut-être des conflits, mais à telle enseigne, plusieurs années, que l'on prenne des armes pour s'entretuer. Et souvent, on ne connaît même pas la cause. Je défie quiconque aujourd'hui. On ne peut pas dire, c'est-à-dire qu'on ne peut que dire des causes de circonstances. Tel peul a été assassiné dans son champ, les autres ont pris les armes. Mais il n'y a vraiment pas pour rechercher la cause. C'est parti comment ce conflit au centre. On a du mal à retrouver le bout du fil. Parce que les choses sont allées tellement vite, ça s'est tellement imbriqué. Parce qu'il n'y avait pas de problème entre Peul et Dogon. Il n'y en avait pas. D'ailleurs, les Peuls ont la capitale de l'Empire Peul du Massina. C'est chez les Dogons, c'est Banyangara. C'était ça la capitale. Et pratiquement tous les Dogons parlent Peul. Dans la plupart du temps. Parce qu'ils ont été imbriqués pendant longtemps. Ils se marient entre eux. Donc ce problème n'est pas un problème de l'intérieur. C'est un problème essentiel entre Peul et Dogon. Mais c'est un problème qui est instrumenté par des élites et certaines élites se trouvent même à Bamako ici quoi. Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'insécurité, mais au tout début, c'est venu par la question du terrorisme au nord du Mali. Toute cette affaire a commencé un peu par là. Mais l'intervention de la France a mis fin à la progression des terroristes, des barbus, etc. Normalement, c'était la fin de la guerre. Mais presque à l'insu de tout le monde et progressivement, l'insécurité s'est transformée au centre. Voilà. Et certaines figures qui sont apparues, telles que Amadou Koufa, et bien qui se revendiquent de Iyad Agali. Et qui de même est en Touareg. Je pense que c'est à partir de là-bas que l'insécurité s'est transférée au centre. Donc, c'est vraiment à partir de la question du Nord, à partir des djihadistes qui ont progressé vers le centre, que cette insécurité a commencé. Et les armes qui ont été récupérées à l'armée, qui circulent un peu partout, des armes de guerre récupérées à l'armée et qui circulent entre les populations. Oui, à l'armée malienne, qui circulent entre les populations et les gens se sont adonnés à des braquages sur les axes routiers, notamment dans le Nord, à Gao. Les jeunes. Parce que dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de poste de sécurité. Vous quittez Gao pour aller à Ansongo, c'est 100 km, il n'y a aucun poste de sécurité. Et donc, il y a beaucoup d'attaques sur ce tronçon-là. Et donc, les jeunes se sont rendus compte qu'en faisant des attaques, on gagne mieux qu'en faisant le berger et autres, puisqu'il n'y a pas de force de sécurité dans la localité. Donc, progressivement, ça s'est transféré au centre. Et maintenant, ça s'est tellement imbriqué, phagocyté que ça pose un problème de lecture maintenant. D'abord, je pense que les dispositifs qui sont là, MINUSMA, Barkhane et autres, ça c'est de mon point de vue personnel, je pense que ce ne sont pas des dispositifs adaptés aujourd'hui. C'était possible en temps de situation de guerre réelle, où on voit qu'il y a des ennemis qui sont là, on les bombarde, c'était bon.
Aujourd'hui, ce dispositif n'est plus adapté. D'ailleurs, toutes les missions que moi j'ai eu à faire au compte des ONG, les populations me disent, si vous voyez passer une mission de la MINUSMA, vous allez dire qu'ils vont même déchirer le ciel et tout. Mais ils disent, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Il y a des braqueurs qui sont là, il y a des vols de bétail. En fait, la population a besoin de se sécuriser dans sa vie quotidienne. Et le dispositif n'est pas adapté pour ça. Le dispositif est là en cas d'attaque et c'est défensif. Bien sûr qu'on en a, mais le Mali a fait appel à ces gens. Beaucoup n'étaient pas d'accord, mais aujourd'hui, les populations, toutes les populations que j'ai rencontrées à la base ont le sentiment que ça ne sert à rien, ces dispositifs internationaux. Qu'au contraire, ce qu'ils veulent, c'est créer soit des postes réels dans des communes, en tout cas pour sécuriser les populations, pour qu'elles puissent vaquer à leurs activités. Au lieu de mettre un dispositif dans un centre urbain ou dans un chef-lieu de cercle, il est stationné, parce que c'est comme ça les missions des nations, c'est stationné là-bas, c'est tout. Et ça ne sécurise pas les populations. Voilà. Les populations aujourd'hui ont besoin des actes simples, mais de proximité pour les sécuriser. Tant qu'on n'aura pas fait ça, ce dispositif va rester général et un peu aérien. Eh bien, tandis que l'insécurité, c'est dans le quotidien des populations. Je pense qu'il faut faire redescendre et redéfinir un autre schéma de l'insécurité aujourd'hui, si on veut mettre fin à ça. Parce qu'il y a des attaques sur des champs, il y a des attaques, il y a des viols de femmes sur des chemins de retour des champs. C'est parce qu'il n'y a pas une sécurité de proximité. C'est concentré dans les centres urbains, tout simplement. Il faut vraiment voir et inverser le dispositif de sorte à rendre une sécurité de proximité aux populations. Et ça peut contribuer drastiquement à faire baisser l'insécurité au Mali. Alors qu'est-ce que la France gagne ça? Je ne sais pas, parce que la France est intervenue sur demande de l'État malien. Ça, il faut le préciser. Et la France a joué un rôle crucial au tout début, même si beaucoup ne le disent pas dans les analyses. Si la France n'était pas intervenue à un moment donné, ça allait être difficile. Et la France a investi des sous dans cette affaire. Mais nous n'avons pas compris pour quelles raisons, dans la progression et dans la poursuite des djihadistes, la France a empêché l'armée malienne d'entrer à Kidal. C'est là que les soupçons ont commencé à peser sur la responsabilité de la France. Son rôle a été salutaire, mais est-ce que la France gagne quelque chose? Je ne sais pas ce que la France gagne dedans. En tout cas, elle est là, elle a des ressortissants au Mali. Elle a tout intérêt à ce que cette zone soit stabilisée pour ne pas être menacée dans un futur lointain. L'État malien, ça sert à quoi? Ben, c'est le garant de la sécurité de façon générale. Mais l'État n'a pas de moyens, c'est ce qu'on nous dit chaque fois. Notre taux de sécurité est très très bas. C'est-à-dire que le taux de sécurité par population, je n'ai pas les chiffres récents, mais en 2005, nous étions à une force de sécurité pour 4500 habitants. Je suis sûr que le chiffre n'est pas très loin. Si je prends le cas de la France, les statistiques de la même période, c'était 2 policiers pour 40 habitants. Vous voyez? Donc on a un taux de sécurité tellement faible, vous allez dans les villages, ils font une année, ils ne verront même pas un gendarme, même pas un militaire. Ça, c'est nombreux. Donc l'État n'a pas suffisamment de forces de défense et de sécurité pour être redéployé partout. Oui, on avait ce projet qui est en cours, mais c'est vrai qu'il y a une police de proximité. Bon, certains ne sont pas d'accord avec ça. C'est vrai que former à la base même des volontaires, on appelle comme ça, mais qui vont assurer la sécurité de proximité, même si c'est un corps temporaire, en attendant que le conflit termine. Ça a été en discussion, mais est-ce que l'État a les moyens, c'est une question de moyens, de les entretenir, de les doter et de les rémunérer pendant cette période-là, puisqu'on est un pays pauvre. Donc tout ça, ça pose un problème de moyens financiers. Oui, mais notre pétrole n'est pas exploité, l'uranium n'est pas exploité. L'or est exploité, mais nous ne gagnons qu'à peu près une vingtaine de pourcentages. Et les investisseurs étrangers disent qu'ils ont investi, et à chaque fois, ils investissent de nouveau matériel et ça, on enlève ça dans le bénéfice. Donc chaque fois, les 20% sont maintenus. Donc nous sommes véritablement un état pauvre. On se débrouille donc. Et ajouter à cela l'effet de la corruption, des maigres ressources qui sont générées par les impôts la plupart du temps.
et aussi les mines. Et il y a beaucoup de corruption dans l'appareil d'État et ça affaiblit considérablement les ressources de l'État, y compris le train de vie de l'État lui-même.